Wouhoupi, salut à vous les Amsam, comment allez, comment ça va? Moi je vais super bien. Aujourd'hui les Amsam, suite de notre aventure sur Life is Strange Before the Storm. Mais j'allais me tromper en plus que ça. Du coup, on venait de laisser Chloé. On avait aussi appris, reçu un coup de fil de notre dealer. Et il n'était pas très très. Voilà quoi. Il va se tramer quelque chose les Amsam. Donc, nous allons continuer notre aventure, les Amzam. Enfin, notre aventure, je recommence ma phrase. Et allons explorer un peu ce qu'il y Time to a dans check ce out Rachel sac. Amber's mystery bag. Alors, donc, S pour explorer. Les Amzam, bon voilà, je vous propose Life is Strange. Je pense que j'ai And déjà pris bag beaucoup de over. retard sur ma chaîne au niveau de ce let's play. Car je pense que voilà, d'autres youtubeurs ont fini Guess I ce need jeu. those. Mais voilà, après deux épisodes de Call of Duty, voilà, il c'est bon de se poser un peu. D'autant plus les Zamzam que je vous prépare une petite vidéo. En gros, ce sera trois jeux gratuits en une vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira pour l'instant les Zamzam. J'ai déjà téléchargé les jeux. J'en dis pas plus. Vous verrez. Restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, je vous le dis. Donc, replongeons-nous un peu dans le jeu. J'ai beaucoup parlé là pour cette introduction. Ah, ok, c'est la petite cabane. En gros, là, on est en train de faire notre planque en quelque sorte, non? C'est ça? It's Regardez. time to talk about the elephant in the room. Elle est This elephant fantastique. Je fucking suis fan. rules. Elle vient d'inventer un mot. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Ok, je vais baisser un peu le jeu de mon côté, voilà. C'est un petit peu trop fou. Ok, du coup, on peut changer de t-shirt enfin, quoi. On se met un peu propre. Crâne de Rochard. Ou c'est quoi? Rochard? Rochac? C'est beau, je sais pas. La maison de Dieu. Masque de corbeau. Eh bien, écoutez, ben, celui-là a l'air pas mal. Ok, ben, du coup, on va prendre le masque de corbeau, les Amzam. D'autant plus que c'est le thème. Un peu, enfin, l'animal référence de Life is Strange, Before the Storm. Le premier, je crois, c'était le papillon. Et là, le corbeau est très très présent, si vous avez remarqué, les Zamzam. Et du coup, ça passe très bien avec le petit bonnet et tout, tu vois, c'est skater. J'adore. En plus, mon t-shirt, là, mon t-shirt que je mets souvent, il y a un longboard dessus. Ok, bah, c'est bon, bah, on va faire comme ça, on va rester comme ça, hein, ça m'a l'air bien. Et j'aime bien le style, là. Des cheveux en arrière avec des corbeaux qui s'envolent. On a reçu un message. Je viens si t'as le cash. Ah, une autre fois. Je suis à la décharge, ok. Ok, c'est bien le dealer, ok. J'espère que les ennuis vont pas commencer. Ok, on va, avant de le voir, on va quand même taguer. On va débloquer. Voilà, un petit succès. Un mur à canon, c'est cool ça, les Amzama. Chloe was here. Hey, on a tous fait ça, les Amzam. On a tous, entre potes ou soit tout seul, je sais pas, entre la famille, on a tous déjà, par exemple, quand on est parti pique-niquer, je sais pas, écrit notre nom et tout. Enfin, on est passé par là, Iron San, un tel, ils sont passés par là. C'est un truc que tout le monde fait, ça, au final. Ok, ben, écoutez, on a vu un peu tout, on a vu le panneau. Regardez, qu'est-ce qu'elle a à dire sur le panneau. The cutting edge in junkyard security technology. Ah, on peut allumer. Non, non, non. Je vais pas allumer parce que c'est de la musique copyright. Eh ben, écoutez. Ok, je peux sortir. Le mec, il a la décharge. J'ai l'impression que ça va exploser un peu les amzams. Je ne sais pas. On verra bien. Si tu vas se fâcher, les amzams, j'ai peur pour elle. Ah, That's the woman we saw with Ah, Rachel's ouais. dad. C'est la meuf avec qui le père de Rachel Yo, trompe, enfin Frank, c'est la. it's Chloe. Attendez. C'est l'amante du père de I Rachel. don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. J'ai peur. Enfin, voilà quoi. Les Amzam, je sens que voilà, ça va aller loin cette histoire de drogue. En fait, elle a pas payé. Je pense pas qu'on a de Dude, l'argent sur nous. it smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something?
Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who's that one? Ah! Yeah. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. No. Allez, on... Ah, c'est le Justin. Meuf, mais genre, comment il m'appelle celui-là? J'ai entendu dire que t'avais été... Hey, vous allez trop vite! Vous allez trop vite! Laissez-moi lire! Et comment je suis censé faire? Hey, s'il vous plaît! Meuf, j'ai entendu dire que t'avais été viré. Mauvaise idée. La bonne nouvelle, tu veux dire, je suis aux anges. Grave. Moi aussi, je suis à la maison. J'ai fini par me faire choper à force de sentir la weed. Ma mère m'embarque à son atelier de lecture. Oh putain. Ok. Ouais, mais c'est pas lui qui nous a volé de la drogue. Oh, il a une petite ordi et tout. Oh, oh, il y a quelqu'un qui a vomi ici. Gross. Oh. Dégueulasse. On va explorer un peu. Taguer, ou que t'es écouté, on va taguer. Hein. Travail, maison. Maison. Got it. Du coup, le mec, il vit dans ce camping-car. Ah, c'est le camping-car qu'on avait vu là, dans le tout premier épisode. Je me rappelle, les Zamzam. Ok, j'avais pas pigé. For the man j'ai la mémoire courte. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Redressement de sourcils. Le mec, il mange que des haricots, quoi. That's an insane amount of beans. Et genre, c'est ce qu'il a vomi ici en plus. Oh. Mmh, c'est pas très ragoûtant, quoi. Vous voyez, quoi. Vous voyez. Apparently, Frank is a werewolf. Ok, que du steak. Enfin, que de la viande de bœuf, que du steak, que des trucs comme ça, quoi. Ici, c'est quoi? Don't mind if I do. Oh non, j'avais pas compris que c'était... Ah, ok, ouais. Bah. Non, si j'avais su que c'était de la 8, les Amazons, j'aurais pas pris. Ok. Regardez. Dis-moi, les Amazons, on va tout regarder dans les moindres détails. Enfin, on oublie toujours des choses. Ouvrir les toilettes. Normalement, à la base, on devait tout simplement aller chercher le petit carnet, vous voyez. Et là, je suis en train de tout regarder. Il y a un petit chien. Hey there. It's okay, little guy. Oh, il est chou, il est mignon, le petit chien. Oh, shit. Pompidou, get up. Pompidou. Le mec s'appelle Pompidou, enfin le chien s'appelle Pompidou. Comme notre président de la République, enfin notre ancien président de la République, qui est maintenant, enfin qui n'est plus maintenant. Hein. A throne fit for Frank. Someone's a messy eater. La pâté pour chien. Figurez-vous, les Zamzam. Que dans le futur, si nous sommes condamnés à... Enfin, je sais pas moi, s'il y a plus, je sais pas, de... S'il y a la fin du monde, par exemple, imaginez-vous devoir manger de la bouffe pour chien. Frank est son meilleur ami, ok. Il n'y a rien à lire ici. C'est le chien. Ouais, c'est le chien. Moi, mon chien, il est à l'extérieur, on ne le fait pas rentrer dans la maison. Mais je sais que certains le font. Et je sais aussi que ben voilà, ils abîment beaucoup de choses. Et merde, je suis dans le rouge. Ok, voilà, donc c'est parce que elle doit la money. Money, money, money. Mais c'était ça que j'avais pas compris la dernière fois là. Ok. Chloé, 175 dollars. Voilà, donc elle doit 175 dollars. Time to find out what Frank wants to discuss. Couteau de Frank. Un couteau, les Zamzam, c'est pas bon si imagine qu'ils s'en servent contre nous. Ça va pas bon. Ça risque de faire des chocs à pic. Je vous le dis, moi. Ok, bon, apparemment, on va aller voir checker ça sur l'ordinateur utilisé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a eu un petit bug. Next time, try ask Miss Arcadia. Lire. Ami des chiens. Hein. Je vous laisse mettre sur pause, les Zamzam. Rachel, the therapist, would have a feel. Shit. The mill burned down.
Jeez. That's an expensive dog. La meuf, elle lit en même pas 5 secondes. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, c'était quoi que je devais récupérer là? So Frank's a j'ai oublié quoi, j'ai complètement oublié. Who knew? Bigfoot. Ok. Ah, c'est ça, non? Fight the power. Loi sur la perquisition et la saisie en Oregon. Pour tout savoir sur les mandats de perquisition et comment protéger vos biens. Ok. C'est pas ça, ben, il est où le truc là en fait? Oh man. I hope Argus and Bowser are. Ok. 1200 moins. Oh pénaise. Eux, ils ont mis de l'argent là-dedans. Hein. Ok. Bah, du coup, je sais pas. Attendez, on va le demander. Le cahier. Is this it? Ah, ok, j'avais récupéré le truc. Ok. J'avais même pas compris que j'avais récupéré le carnet, quoi. Pourtant, il était en haut, je suis sûr. En haut à droite. It's French. Oh, c'est français. Ouais, mais c'est, voilà, c'est une grosse référence au président, je suppose. C'est un caniche, c'est pas un caniche. Ça veut dire quoi? On va demander, ça veut dire quoi? Does it mean, regardez. Like, tough guy or something? On va voir s'il va répondre. Do I look like I speak fucking French? Ok, je m'attendais à ce qu'ils disent ce okay. Président. So, who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV. Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Nous, ce qu'on sait, c'est que c'est l'amante et on va exiger une réponse, les Zamzam. Allez, on attaque. Rachel would okay. Want to know more. I bet I can convince Frank. It's harmless to tell me, dude. I'm just curious. Allez, what's on se concentre, les Zamzam. Idiot. I make money by being discreet. Je vendrai pas la mèche, aucun crédit. Accord confidentialité. It's not like you signed a confidentiality agreement. You can be less discreet this one time. J'aurais dû dire aucun crédit. I protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. L'essentiel, c'est la marchandise, rêve de nuage, base de notre relation. Your customers okay. Like you because you're laid back. That's why I like you. So you should keep building up that easygoing vibe, you know? Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? J'ai la langue bien pendue, très bien sensible, pas d'ennui. Come s'il on, vous plaît, Frank. S'il vous plaît. This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. Well, I guess you're not asking for life or death information here. Suis ton sixième sens, niveau confidentialité, c'est mort. C'est ce que je pense ce sera pire. Punaise. I'm holding your drug dealing account book. J'ai pas voulu. You ok, c'est bon. Trust me already. So what are you waiting c'est bon, for? J'ai réussi. I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about okay. That firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw, her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like what? Who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks. Qui s'appelle Sena, Sera, j'ai pas très bien pigé. Whatever. You hear the mill burn down? Yeah. I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. De l'argent de quoi? Et toi, Oté, ok. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. En attendant, toi aussi, tu fais des anyway, choses qui you voilà, and I quoi, have hein? Shit to discuss. Ah, c'est pas très chrétien. Is this about the buck 75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it?
Je te les rendrai plus tard. Il va embêter quelqu'un de friqué. Don't you have richer clients to bother? I should fucking hope so. Well, good. Cause I need everything I've got. You're a pain in the ass. I've got bigger problems right now. Ok, donc il nous envoie pas forcément parce qu'on n'a pas encore payé. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, what? He's... Oh, holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? La tête hyper Go Bigfoot. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? Non, on se parle pas. C'est un connard. He's an unreliable douchebag. Nah, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Il nous demande des choses, lui, mais qu'est-ce qu'il veut dire, tiens? Ça le fait pas. J'y gagne quoi? Ok, on va négocier. Yeah, of course, but what's in it for me? Idiot, you still owe me. Et est-ce qu'il y a moyen que si je fais ça, je te dois plus rien? If I do this, voilà. Then we're c'est ce good. Que je demande. That, and I'll do even better. Et même I'll plus que ça. I'll give you a 10% cut of the money. Enfin, bon, voilà quoi. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not ouais. supposed to be at Blackwell. I ça va être compliqué, got expelled je vous dis, moi. This morning. Et ça va ajouter du piquant. Les amis, je vous le dis. Congratulations. En tout cas, elle met une vie de serial killer, j'allais dire, mais c'est pas tout, vraiment ça. If you voilà, can't even vie, do this price, $100 closer to leaving Arcadia Bay with a bit of cash. And the truck fixed. Rachel and I could really do partir it. Pour de bon. We could leave for good. Ah, mais c'est pas juste avec un peu de cash que tu vas faire ta vie, quoi. Good deal. Moi, je sens mal, et puis tout ça, ça nous met un peu dans l'embarras, ces histoires, les âmes de drogue, d'argent. Ouf, c'est chaud, c'est chaud. Et en plus de ça, il fait vraiment chaud, là, dans ma chambre en ce moment. À La Réunion, nous entrons, voilà, dans la période d'été. Eh, hey, ce qu'il veut dire, il faut faire chaud, hein. Ça veut rien dire, ce que je viens de dire, là. Je veux dire que ça fait chaud, quoi, les âmes, voilà. Parfois, je dis des phrases qui n'ont aucun sens, en fait. Je sais pas. Mon imagination part très loin. Et ça me perturbe dans les phrases. J'arrive pas à faire des phrases correctement français. Well, here goes nothing. Ok, ok. Cherchons la chambre. Rachel. Je suis de retour à l'école encore. Ils ont monté des tentes. Ouais, pour servir de cabine d'habillage. Eh ben attends, vous allez trop vite, je vous dis, moi. C'est pas possible, ça. Comment vous faites pour... Je fais pour lire, moi. Allez, on va attendre que ça se finisse. Voilà, écrit, voilà. Parce que moi, je peux pas lire comme à la vitesse de la lumière, quoi. J'ai pas un cerveau qui tourne à 10 000 à l'heure. Écoutez, bon, allez, on remonte. Ok... C'était où, je sais plus. Okay, c'est plus bas. Je suis de retour à l'école encore. Ils ont monté des tentes pour servir de cabine d'habillage. Tu fais quoi, toi? Je suis allé... Hein? Je suis là aussi et j'ai un petit boulot à faire pour mon dealer. C'est vrai, quel rebelle. Tu viens me voir quand tu finis. Ouais, sans problème. PS, j'ai vu la femme... qui était avec ton père sortir du camping car de mon dealer. Quoi? Apparemment, elle cause pas mal de soucis à pas mal de gens ou quelque chose comme ça. Elle s'appelle Sierra. Rachel? Je crois que je préférais peut-être ne pas connaître son nom. Oh, pardon. Non, c'est bon. À bientôt. Ok. Oh, c'est Sierra, c'est un peu son, un peu bizarre son prénom, là. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Ok.
probably not a dorm. Je me rappelle de cet endroit, non? Si, 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 je me rappelle très très bien de cet endroit. On est venu ici aussi dans le premier épisode, les Zamzam. Ok, bon, papa. Je croyais qu'elle allait dire quelque chose d'intéressant. Prospectus. Ok, on va ramasser cela. On va lire aussi. Oups, pardon, excusez-moi, je me gratte un peu l'œil. Qui aimerait organiser un groupe de discussion œcuménique, je veux dire quoi, ouvert à tous et à toutes. On dirait que quelqu'un s'est fait jeter du club Vortex. Célébrons et apprenons les uns des autres. Nous sommes la meilleure ressource de Blackwell. Ok. Steph, comment ça va? Ça va bien, now Steph? That I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. La plus cool besides de Blackwell. Rachel, ok. Obviously. Ok, bon, on va parler un peu avec Steph. Salut Steph, comment ça va? Hey Steph. Whoa. Hey Chloe. Surprise ça s'appelle to see une entrée fracassante. I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Merci. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? Je rends service à quelqu'un. Je vais voir la tempête. Est-ce qu'on dit qu'on rend service à quelqu'un? On va essayer de trouver c'est qui cette personne. Je sais pas. Bon, allez, on I'm just ça. Picking up something from somebody. Chez qui? It's for a friend. Now I'm really curious. J'en étais sûr. What are you doing? What's all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. Mm-hmm. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. D'accord, ça m'intrigue. Ok, on va dire la même chose qu'elle, en fait. I'm ça a l'air sympa. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask Quelque you something. Genre de question que tu vas me poser, là. Sure. Dis-moi. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Ooh. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... La question. The question. Tu crois qu'on est ensemble? Je sais pas trop. Elle est libre. Allez, on va dire je sais pas tout parce qu'au fond, ouais, on sait bien que Chloé a un petit penchant pour Rachel. I don't know. It's hey. It's confusing. Yeah, I can imagine. Donc ils sont voilà cette fille aussi. You know you can, right? I'll see you later, Steph. Voilà, elle aime. Have fun storming the castle. Elle aime Rachel. Tout le monde craque pour Rachel, quoi. Ok les amis, bon c'est parti, entrons dans les dortoirs, enfin au niveau des dortoirs, je sais pas comment ils appellent ça, enfin locked. Fermé à clé évidemment. Fingers. On va devoir trouver un moyen d'entrer et je sais pas Looks si like c'est la même. Are, become a master lock picker or swipe someone's key. Parce que la dernière fois on avait avec Fingers. Dans le premier épisode je crois on avait trouvé un échelle et tout. Looks like my options are. Become a master lock picker or oh, piquer des clés à quelqu'un. Ah, mais qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, salut. Ok, on va pas s'occuper de ça. On va aller parler avec ce mec-là qui tire des photos. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude,
Why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Tout le monde se connaît dans ces sens, dans ce Did Evan en fait. Just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. On va se moquer un peu. Hey, Evan, as intelligent as you look right now, you can still see that bird from where I'm standing. I appreciate your concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. For example, I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention. Ah. That is kind of an odd topic to focus on. People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? On dirait que tu avais raison. Aucun savoir-vivre. Evan, you're pretty stuck up. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness is people disliking you. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Le mec, il me jette, quoi. Ok, bon, on va essayer d'aller voir là-dedans. Là, je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle, là, c'était le concierge. Oh. Écoutez, on va prendre les clés. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Ouais. Écoutez, on va aller faire ça tout de suite. On va aller droit au but, les âmes. Et du coup, ça va faire foirer son truc, je suppose. Attendez, du coup, je vois pas. Voilà, regardez. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. Et voilà. But Evan is right there. On s'en fout. Faudra faire fuir l'oiseau, je suppose. Effrayé. Voilà. Hey! Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as possible, the other way. Ok, on va aller faire effrayer encore l'oiseau. Mais genre, normalement un oiseau comme ça, là il reste pas ici, quoi, tu vois. Il s'envole loin dans les airs là-bas. Here we go. Et le mec il s'en fout, quoi, il dit il a rien à foutre. Et on va casser so ça. Tempting, but Evan will see me for sure. And okay, he sounds. Et voilà. Gotcha. Oh, perfect. En gros, ça a arrangé les choses, quoi. Je m'attendais à dire, mais qu'est-ce que... Enfin, moi, si j'étais le photographe, là, j'étais en train de dire, hey, mais qu'est-ce que tu fous, l'oiseau était là, et maintenant, il est séparé. Moi, je le disais comme ça, tu vois. Et lui, non. Quoique, il s'est pas barré complètement, donc ça va. Awesome. Now, I just have to wait for Samuel to turn on the... Oups. That works. Allez Samuel, viens réparer ça. Comment on l'a explosé? Oh mais genre il a éteint l'arrivée d'eau, c'est bon? Non ça va. C'est bon, c'est bon. C'est parti mon kiki. Allons-y, allons voler, voler. C'est ce que j'arrive à faire de mieux les Amziam. Et on pique les clés, voilà, ni Sorry, vu ni Samuel. Connu. C'est parti, mon kiki. Alright, time to find Drew's room. On va aller récupérer ça. Ouh, no time like the present. J'ai eu un frisson là qui m'a m'a traversé le corps. Oh là là, c'est encore présent. Ça vient de mon oreille. Quoi, oui? Non, je sais pas Chloé, tu te trompes. Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Non. Non, 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 non.
Non, non, attendez, voilà, je suis à vous. Je viens voir un ami, je suis en mission secrète. On va le prendre pour un con, en fait. I'm on a secret drug-related mission, Skip. Under the authority of the Arcadia Bay District Attorney's Office. Really? No, dude. I'm just visiting a friend. I can't... I really can't just let you go in. Ok, allons-y. C'est parti, les Zelda. On y va, on y go, c'est parti. Ouh là là. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. D'accord, ok. Tu veux jouer les malins? On va jouer les malins. Ah quoi? Quoi? To do this to Skip, bah, but c'était censé to get inside. Mettre en Maybe truc là, if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Ok, c'est bon, c'est bon, ça commence. Ça commence, mais ça va être difficile. What's my official business? Raison psychologique, ça te regarde pas. Raison féminine. Women's business, Skip. As in my uterus. I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. Tu vas perdre ton boulot. Ton boulot est chelou. Pas cool, Skip. On va taper If sur le point fort. You keep violating students' voilà. personal rights. You're Pines. Going to get fired. Attendez. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? Wells te respecte pas. J'en ai... Wells te respecte pas. You know Wells doesn't really respect you, right? You're just a rent-a-cop who needs a haircut. I thought we were friends. Where is this coming Mais si, from? On est amis. Amis, je crois pas. Il faut que j'y aille. I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look, look, look! I'm really yes! sorry, Chloe. Yes! I'm just so confused. Oh, c'est pas fini. Ferme les yeux, je ne sais pas. Mais comment je suis censé répondre? Merde! You're sorry? Je me suis trompé. You just looked at my oh, c'est pas grave. You did. C'était gagné you d'avance. Right at them. Oh! Shit. I don't know what to do. Le mec il a fait une type à dedans, Seriously, c'est tout, my uterus is on fire, dude. What? Is that descriptive enough? I don't want to know. En fuego utero. La meuf elle parle loin quoi. En fait, Chloé, excusez-moi, pas la meuf. I don't know what to say. I'm Chloé, so sorry. Matthews. Huh? I'm here. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Oh, thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell yes. anyone. Yippee! Ok, Franck, je suis à la décharge, ça avance. Tu l'as trouvé? Respire, mec, ça fait même pas 5 minutes. Ça en fait 20. Ok, je m'en occupe. Bouffe-toi. Ah, mais mec, me mets pas la pression comme ça. J'en ai déjà beaucoup trop de pression, là. Hein. Voilà. Parfait. Commençons la mission d'espionnage. Mais genre, elle a laissé les clés sur la porte. Mais l'erreur à ne pas faire, quoi, les Amzam, ne faites jamais ça. Punaise. Et là, si elle est bloquée, surtout si la porte se verrouille de l'intérieur. Enfin, ce ne s'ouvre que de l'extérieur, je sais pas. Alright. Which one is Drew's room? La chambre de Drew. Ok, on va rechercher la chambre de Drew. Could Elliot be lamer if he tried? Là, c'est Elliot. Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Ok, on va pas s'attarder là-dessus. On va y aller, les Abzam. C'était pour des raisons de temps. On va entrer. Histoire d'en apprendre un peu plus, c'est très important, je trouve. Albert Einstein, c'est bien lui. Mais nous, on entre dans la chambre des mecs comme ça, enfin, d'individus comme ça. Genre, c'est de l'infraction, là, non? I knew Elliot did well in class, but I didn't vous laisse realize lire, les on a full ride. Vous savez, que faire? Mettre sur pause.
I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Elliot's mom seems nice. Je laisse lire aussi. Lucky Dana. Le truc, c'est que si je lis, je perds beaucoup trop de temps, en fait. Warren Graham is such a... Voilà, nerd. Voilà. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. L'endroit de la fracture, une biographie d'Ernest Hemingway. Le monde brise les individus et après coup, certains deviennent plus résistants à l'endroit brisé. Ça, c'est vrai, ça, c'est Zabzab. C'est vrai. Je crois en cette It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Ok. Le tiroir, qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Ça m'a l'air intéressant. Les photos, regarde wow. Les photos. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Regardez, lire. That's not half bad. Lorsqu'elle a quitté la pièce, c'était électrique, ses ailes écarlates tendues d'agonie. C'était quoi ça? Dark. Je vois son visage dans les briques et dans la pierre, dans l'herbe fraîchement coupée. Ses yeux brillants comme des pièces d'argent. Je dis au passeur qu'il ne peut s'en emparer. Mais les dieux ténébreux en rien. Ok, ben le mec il est un peu poète apparemment. Ok, j'ai déjà vu ça. Contrôle. Elliot does work really hard. Science informatique. Ok, I'm a plus quand même. Le mec il est fort quand même. Ok, bon on a visité un peu tout, je pense. Ok, on va partir, on va sortir, on va chercher la chambre de Drew. Sortir, voilà, c'est parti, on y va, on y go. J'espère que Drew n'est pas dans sa chambre. Ok, là, c'est pas cette chambre. Poster. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Tonight. Bah c'est pas ça sa chambre, non, ce serait pas ça. Ok. Ah, il y a une porte ici. Ouvrir, on va ouvrir directement. On est fou. On aurait dû frapper en premier. Mais genre moi non, moi je suis ouf. Et moi je préfère entrer dans les chambres des gens sans frapper. Voilà. C'est qui dort ici? Drew's not here. Okay, if I were Drew, where would I hide my money? Où est-ce que je chercherais mon argent? Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Okay, où est-ce que j'aurais mis mon argent? They look so happy. Où est-ce que je mettrais mon argent, les Zamzam? Bet the dinner choices are steak or steak. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Ok, le mec, il a eu une bourse universitaire utilisée. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he... Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Ah, sous le lit, peut-être. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Non. Didn't think Drew would be into this nerd shit. Or, I guess, this is all Mikey's. Bah, où est-ce qu'il pourrait mettre son truc, là? Ah, attendez, il y a une grosse malle ici, ça m'a l'air intéressant, les amis. Is the money in there? Ouais. Il y a un code. Right. Guess I have to crack a... Ok, il faudra que je trouve le code. Peut-être... Ça peut être où... Ok, on va regarder ça. Look at that. More numbers. Encore des chiffres. Ah, 20, 36. Oh, ça m'a... Oh, 11, 20, 36. Écoutez, 11, 20, 36, ça m'a l'air d'être le code. Hein. Bon, allez, attendez, on va essayer ça. Ah, bah non. 11, 20, 36. Bah non, c'est pas bon.
Et si on met 20, 36. Appliquer. Damn c'est it. Pas le bon chiffre. Wrong bon, numbers. Écoutez, on va aller voir, on va fouiller un peu plus ça. Qu'est-ce qu'elle dit en fait ici quand je prends ça? Plenty of possible combinations here. Ouais, il y a plein de combinaisons. Alors, le 2796, 555-0832. Si on fait 0832, je sais pas pourquoi. 0832, on va essayer ça. 0832. Oh, c'était 0832. Might Quoi? Actually need some help Mais with genre... this one. Mais genre, c'était pas ça? Question venue de nulle part, je sais pas, Mickey probablement, cool, aucun rapport, mais c'est quand la nif de Mickey? Le 27? Pourquoi est-ce que tu qu'est-ce que tu trafiques? Ok, le 27. 12-27, à essayer. Ok, on va essayer le 12-27, les Zamzam. Yes. Ok, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé le code, les Zamzam. C'était assez chaud là-dessus du Gilles. Heureusement que j'ai regardé le truc là. Ah. Did little Drew beat you up too? Bingo. Ok, on a trouvé le fric, les Zamzam. Allez, c'est cool, on se barre. On se casse. C'est bon, on a le fric. Ok, on a volé de l'argent, okay. Les Zamzam. Got the money. Ouh, time to bust out of here. Ok, on se casse. Oups. 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 Hey, Mikey. Chloe. Mais genre What quoi? What are you doing here? C'est trop ouf. C'est trop ouf, les Zamzam. Écoutez, bon, on va se laisser sur cette confrontation, les Zamzam. Ouh. C'était cher, ah là là, c'est hyper chiant là. Vous aurez la suite dans le prochain épisode, les Zamzam. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre. Moi, je vous dis à ciao pour de prochaines vidéos sur ma chaîne.